Eh bien aujourd'hui, je vous propose, je ne sais pas si on doit l'appeler riz à l'espagnol ou style paella. En tout cas, on va faire du riz avec du poulet, des crevettes, des petits pois. Eh bien, je vous donne toute la description. Là, ici, j'ai une dizaine de crevettes que j'ai décortiquées et coupées en deux parce qu'elles étaient assez grosses. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile, une petite boîte de tomates pelées. Là, j'ai 500 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. Ici, j'ai 5 hauts de cuisse, 150 g de petits pois, c'est du petit pois congelé. Là, j'ai plus d'oignons frais, j'ai pris 100 g d'oignons congelés. On pourra mettre du sel. Là, j'ai 300 g eh bien, de riz. Et puis, du poivre. Et puis, à la place du safran, qu'on met généralement dans les paellas, moi, je vais mettre du riz d'or. Eh bien, c'est parti pour notre recette. On va se mettre en mode manuel, en mode doré. Je vais mettre l'huile dans la cuve du Cookeo. Allez, je vais faire revenir mes hauts de cuisse. J'ai ajouté mes oignons. Allez, maintenant je vais verser mon bouillon. Je vais mettre un petit peu de poivre légèrement. Pour le sel, je rectifierai l'assaisonnement au moment de déguster. Et là, on va programmer une première cuisson. Alors, on va arrêter la fonction dorée. On va se mettre en cuisson sous pression ou cuisson rapide. On va mettre, allez, je vais mettre 13 minutes de cuisson. Je suis OK, départ immédiat. Allez, la première partie de cuisson est terminée. Je vais ajouter mes petits pois dans la cuve du Cookeo. Je vais mettre mes crevettes. Je vais ajouter mon riz. Je mélange tout ça. Je vais mettre ma petite boîte de tomates pelées. Je vais rajouter le riz d'or. Et je vais reprogrammer une cuisson. Eh bien, Cookeo me propose de prolonger la cuisson, c'est ce que je vais faire. Et là, je vais programmer 5 minutes. Alors, pourquoi 5 minutes? Bien, parce que le temps de cuisson du riz est de 2 minutes, mais au Cookeo, on peut diviser par 2, donc on met 5 minutes. Eh bien, écoutez, je fais OK. Je ferme le couvercle. Allez, la cuisson est terminée. Je vais mélanger tout ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à déguster. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.